Alors, le Batman, mon Batman, c'est un projet de nostalgie, on peut dire. J'ai eu un peu la chance de pouvoir le faire, donc c'est ce qui est grandiose. Je ne pensais pas pouvoir en faire, parce que je savais qu'après autant d'années à faire la bande dessinée, je ne me voyais pas du tout, je ne pensais pas du tout à faire du comics. Mais moi, j'ai grandi avec les super-héros. Moi, quand j'étais gamin, j'aimais ça, quoi. Donc, j'aimais notamment le Batman, mais aussi les Spider-Man, les Superman et tout. Et c'est ensuite que j'ai découvert Tintin et compagnie. Et surtout plus tard aussi, toute la diversité de la BD franco-belge avec Moebius, Bilal, Druyer et compagnie. Donc, mais au départ, c'était donc les super-héros. Et donc, quand on m'a proposé de faire ce Batman, je me suis dit, j'ai pas trop le temps en même temps, mais ça me tente très fort, parce que ça serait dommage de laisser échapper cette occasion, quoi. Donc j'ai un petit peu j'ai repoussé tous mes autres projets, parce que j'étais parti pour faire un polar, et je travaillais encore sur les Aigles de Rome. Et je savais qu'il y avait encore le Scorpion aussi à faire, donc plein de choses. Et donc Batman est arrivé, il a tout poussé, parce que Batman est très fort. Enfin, mon Batman est très fort, voilà. Pour revenir à mon Batman. Mais Batman est fort en général. Mon histoire de Batman, c'est une histoire entre, on peut dire presque intime, une histoire entre lui et le Joker. Voilà. Je ne voulais pas faire une histoire épique. Je voulais pas faire un Batman qui sauvait le monde ou qui sauvait, ou ne fût-ce que la ville de Gotham. Donc je voulais pas faire un truc épique avec plein de personnages et tout, une histoire avec des super pouvoirs. Je voulais que ça soit plus intime et plus réaliste. Donc je me suis donné des limites, en fait. Comme quoi, il n'y a pas des super pouvoirs. C'est une approche plus réaliste, un peu peut-être comme Christopher Nolan a fait dans sa trilogie, dans les films. Il n'y a personne qui vole. Peut-être oui, peut-être que Superman il vole, mais il est tellement rapide qu'on ne le voit pas, quoi. Donc il n'y a pas Robin non plus, tiens. Parce qu'il aurait gêné, en fait, dans l'histoire. Parce que c'est une histoire de... je joue sur la dualité de ces deux adversaires, donc... qui représentent très bien le bien et le mal, et ils sont tellement à l'opposé. Donc ça aurait pu s'appeler d'ailleurs aussi Batman et Joker. Et donc ils sont quelque part liés ensemble par une petite fille que le Joker enlève, et Batman essaye tout pour la sauver, quoi. Et donc mon Joker, lui, il a... on peut croire qu'il a un plan machiavélique. Mais est-ce que c'est le cas? On ne sait pas. On va voir. C'est-à-dire, c'est un personnage que je vois comme quelqu'un qui a tellement de personnalité en lui, qui change de personnalité tous les 5 minutes, en fait. Donc, évidemment, c'est le Joker, donc c'est un psychopathe. C'est un malade. Hein. Il est très dangereux. C'est un assassin. D'ailleurs, l'entourage ne survit pas très longtemps. Donc il vaut mieux l'éviter quelque part. C'est quelqu'un, par contre, aussi d'amoureux. Il est amoureux de sa Harley, donc c'est quelque part aussi ça qui fait que tout se déclenche, toute l'histoire se déclenche, parce qu'il a besoin de trouver un cadeau d'anniversaire pour sa bien-aimée Harley Quinn. Et de là part tout le bordel, quoi. Et lui, il est là pour le fun, parce qu'il est aussi drôle, il est comique, il peut être charmant. Il peut être tendre et mélancolique. Enfin, voilà, plein de personnages. Oui, le titre, en fait, le Dark Prince Charming, ou le sombre prince charmant, ce qu'on a évité de l'appeler. Enfin, on a choisi le titre en anglais, parce que le sombre prince charmant, ça fait... C'était trop long. et donc, c'est peut-être lui, en fait. Le Dark Prince Charming, c'est peut-être même le Joker. Il faut lire le tome 2, peut-être qu'on verra ce qu'il sait. Et voilà, moi j'avais envie de jouer avec cette situation où tu as un comique assassin qui monte sur scène pratiquement et qui attire la lumière vers lui.
Et tu as l'autre personnage, donc le Batman, très statuaire, qui agit dans l'ombre et qui essaye à tout prix, qui est obsédé par le fait de retrouver cette gamine qui est dans les mains de ce maniaque, quoi. Et pour le Joker, lui, par contre, lui, il est jouissif. Il voit pas où est le problème, quoi. Lui, il s'amuse. Et il se moque de Batman, quoi. Donc j'aimais bien en fait de rester avec ces deux personnages et d'essayer d'en tirer ce que je pouvais avec cette situation. Et sans devoir amener d'autres personnages. Parce que c'est vrai qu'il faut dire que DC m'a donné toutes les libertés, en fait, ce qui est génial. Mais ils m'ont dit aussi, voilà, on t'ouvre les portes vers la salle de nos jouets, tout, prends ce que tu veux. Et ils en ont des milliers, quoi. Qu'est-ce que tu veux prendre? Parce que là, tu dis, ouais, mais moi, j'aimerais bien prendre celui-là. Et après, tu es... En fait, je me suis quelque part... voilà, je me suis limité. J'ai pris quelques beaux jouets, les ceux que j'aime beaucoup. Il y a Batman, Joker, Harley Quinn et Catwoman. Donc, j'ai pris les deux, Batman et Joker. Et chacun a, en plus, amené sa fiancée, quoi, on peut dire. Batman est avec Catwoman et le Joker avec Harley Quinn. Et j'aime bien, vous voyez, j'aime bien la symétrie. Et tout ça a un sens, voilà. Ah, c'est pas... J'ai pas lu cette histoire, mais je sais que Batman a un fils avec Talia. Oui, peut-être, mais je connais pas cette histoire. Comment... Je sais pas qu'est-ce que Talia l'a amené. Enfin, j'ai pas lu cette histoire, mais je sais que... Il s'appelle Damien, il me semble. En tout cas, dans mon histoire, moi, je ne l'ai pas pensé comme ça. C'est, en ce qui me regarde, ce qui me concerne, la fille ne sera pas une autre Robin ou Robinette, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, c'est pas prévu comme ça. Maintenant, je ne sais pas ce que DC va faire, parce que c'est tout à eux, de toute façon. Donc, ils décident sur le sort de ces personnages. Donc... Non, moi, je le dis d'ailleurs dans l'histoire, c'est plutôt la gamine, elle veut devenir une policière, donc une femme flic plus tard, quand elle sera grande. Elle le dit, en fait, elle veut plutôt le poste de James Gordon, voilà. Donc, je la vois plutôt comme quelqu'un qui chasse les criminels, mais de côté de la loi. Maintenant, DC fait ce qu'il veut. Moi, je me laisse surprendre, ça peut être... S'ils font une robinette, bah, ils feront une robinette. Hein. Enfin, je veux dire, si c'est bien fait. Moi, je suis très fier du petit clown, le nain. Le nain suicidaire, l'assistant du Joker. Et je suis très content d'avoir amené ce personnage. Parce que enfin, s'il ne va pas se suicider entre-temps, parce que tout est possible, il pourrait devenir un des grands vilains de l'univers de DC, va savoir. Enfin, non, je pense pas, mais ça me plairait bien de le revoir quelque part dans un autre épisode, peut-être écrit et dessiné par un autre. C'est marrant, quoi. Parce que moi, j'ai bouclé, là. Hein. C'est fini. Donc, s'il survit et s'il se tire pas une balle dans la tête, il va peut-être revenir, hein. Va savoir. Alors, les retours sont plutôt positifs, heureusement. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a toujours ceux qui ne sont pas contents, qui râlent parce que le Joker, il est maquillé. Parce que la jupette de Harley est trop courte ou pas assez longue. Ou parce que le costume de Batman, peut-être qu'il lui manque un gadget ou il en a trop. Ou les oreilles ne sont pas assez longues ou pas assez courtes. Donc, non, mais après, il y a des gens qui sont... Voilà, ils ont leur vision aussi, hein, donc je peux comprendre. Et de toute façon, tout le monde a un avis sur Batman, ou tout le monde a un avis sur le Joker. Ça, je le savais, de toute façon. On voit déjà, quand un film sort, comme tout le monde s'en mêle, tout le monde a les réponses déjà à l'avance. Donc, mais je sais pas. Moi, je peux dire que les réactions sont vraiment très positives. Donc moi, je suis vraiment... très content et je suis même presque surpris. Enfin non, je suis très surpris même. Parce que il faudrait que je relise l'histoire pour voir si elle était vraiment, si elle est vraiment bonne, quoi. Parce que j'ai besoin de distance. Maintenant j'ai les bouquins, je vais attendre quelques mois et puis je vais les reprendre et je vais les relire et puis je vais dire ouais, peut-être, ouais, c'est pas
c'est pas trop mal. Ou peut-être, ouais. Non, mais je suis, pour le moment, je suis assez content. Et les réactions sont vraiment chouettes. Le plus emblématique, hein. Bah, moi, enfin, un personnage qui vraiment me tient toujours à cœur, mais que j'ai quitté il y a un moment, c'est le Gypsy. Voilà. Bon, j'ai fait entre-temps, j'ai fait tous ces... Après le Gypsy, j'ai fait plein d'autres choses. Mais c'est vrai que lui, c'est quelqu'un... Enfin, c'est un personnage qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un barbare. Hein, c'est un type très costaud et bagarreur. Mais il a un bon cœur, quoi. C'est quelqu'un de très, très tendre, surtout avec sa petite sœur. Et il a beaucoup d'humour, enfin, c'est quelqu'un de très drôle. Hein. Et je pense qu'on retrouve un petit peu de ce genre d'humour dans le Joker que j'ai fait dans cette histoire. Quoi. C'est vrai que dans les Actes de l'Homme, qui sont... Enfin, moi, j'aime beaucoup les personnages aussi. Enfin, c'est peut-être le projet le plus important, en tout cas, de ces dernières années que je fais. Ce sont les Actes de l'Homme, puisque je fais tout. Et parce que j'ai vraiment travaillé beaucoup ce projet, la documentation et aussi les personnages. Et donc ils sont très proches, quoi. Donc, mais c'est, j'ai une tendresse particulière pour le Gypsy qui est vraiment trop cool à animer. Et il faudrait peut-être qu'un jour je le reprends et je le réanime. Là, il est encore en Sibérie avec son camion. Il voyage. Il est au spa. Je sais pas où il est. Enfin, il est parti pour le moment. Donc lui, il est voilà. Mais on m'a déjà dit que le Joker dans Batman rappelle un peu le Gypsy. Et moi, je me suis dit, bon, pourtant, il n'est pas si musclé. C'est peut-être l'humour, ou le menton, j'en sais rien. Ou la coiffe. Là, on a la coiffure, non. Mais voilà, je ne sais pas. C'est peut-être l'humour, finalement.